bienvenue dans votre magazine ICC L'Actu, votre magazine qui retrace toute votre actualité. Mon âme a soif de toi. Bonsoir à tous, c'est un privilège et une grâce que d'avoir été en Guyane. Alors, je suis arrivé, ça fait 4 jours à peu près, 4 jours que je suis arrivé en Guyane. Et mon Dieu, waouh, le campus de Guyane, franchement, je bénis Dieu pour l'énergie, la synergie, pour la grâce de Dieu qui repose sur ce campus, pour le dynamisme des gens, pour le côté pragmatique, pour franchement, je rends grâce à Dieu pour tout ce que j'ai pu voir ici. Je rends grâce à Dieu pour l'atmosphère qu'on a trouvée ici, une atmosphère où franchement Dieu fait énormément de choses. Et je bénis Dieu d'avoir participé à cette aventure de 12 jours d'adoration, 12 soirées d'adoration. Ceux qui courent pas les rues en fait dans les églises. Franchement, 12 soirées d'adoration pour donner l'honneur, pour donner la place à l'Esprit de Dieu, pour honorer Dieu, glorifier Dieu. Franchement, nous rendons grâce à Dieu pour cela. Et je vous invite à ne pas louper la prochaine occasion où il y aura 12 jours, où il y aura un autre programme, peu importe, là où il y a le Saint-Esprit, c'est là qu'il faut être. Je vous aime très fort, que Dieu vous bénisse. Vraiment, ça a été un honneur pour nous de venir pour cette première édition de ces 12 soirées de louange et adoration. Bon, vraiment, ça a été un honneur pour nous, un privilège de servir ici à ICC Guyane. Et une grande expérience pour nous, très enrichissante également. Content de rencontrer nos frères et sœurs, de communier avec eux, vraiment dans la joie, la bonne humeur. On rend grâce aussi à Dieu pour la ferveur du peuple que le Seigneur a en Guyane. Ouais. C'était des moments glorieux et vraiment nous avons été plus que nous-mêmes bénis par cette mission et surtout de rencontrer une famille aussi embrasée, zélée, passionnée pour le Seigneur. Donc on rend grâce à Dieu, on a passé de merveilleux moments dans sa présence. Donc rendez-vous l'année prochaine. Et rendez-vous à l'année prochaine, Dieu voulant. Notre dynamique de temps de prière se poursuit sur l'application Zoom du lundi au vendredi de 5h à 6h. Lundi à 19h, nous serons au campus pour notre temps d'adoration
une heure dans sa présence. Mardi, de 19h30 à 21h, les familles d'Impact se retrouveront en présentiel. Pour connaître la famille d'Impact qui est la plus proche de chez vous, nous vous invitons à vous rapprocher du stand Groupe d'Impact, situé à l'extérieur, sous le chapiteau. Mercredi, nous nous retrouverons au campus, de 12h à 13h, pour le midi en prière. Nous nous retrouverons vendredi, à 19h, pour atmosphère de prière prophétique. Et juste après, de 22h à minuit, nous aurons notre mini-veillée de prière. Et enfin, dimanche, pour nos deux cultes de célébration, de 7h30 à 9h30 et de 10h à 12h. Chers parents, le département Impact Junior convie tous les enfants âgés de 4 à 12 ans à une après-midi récréative le mercredi 1er mars de 14h à 17h à l'église de Cayenne, autour de différents jeux et activités. Afin que vos enfants soient à l'aise pour les activités, une tenue, des chaussures de sport ainsi qu'une casquette sont demandées. Nous les attendons nombreux. Les vœux sur Parcoursup se clôturent le 9 mars et tu n'as encore aucune idée des choix à faire ni du métier que tu voudrais exercer plus tard? Tu as entamé des études mais tu n'es pas convaincu d'avoir choisi la bonne filière? Tu t'y es même inscrit par dépit? Je trouve ma voie est une après-midi d'orientation pas comme les autres qui pourra t'aider assurément à voir plus clair. Nous parlerons des métiers porteurs en Guyane et de l'entrepreneuriat si tu es un chef d'entreprise en devenir. Des professionnels viendront également à ta rencontre pour te parler de leur métier et tu pourras également leur poser tes questions. Des stands découvertes se tiendront également à ta disposition pour des échanges plus personnels avec les professionnels de ton choix. Tu as rendez-vous samedi 4 mars à 13h45 à l'église de ICC Cayenne. Pardon aussi à ton entourage. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.